Silence tout le monde, le cours a déjà commencé, hein? Bon, bonsoir, madame... Quoi? Ce n'est pas le frotteur que je vais lancer directement dans ta grosse gueule de gamin de merde! C'est tout le tableau, plus le pin de la salle de gym et la bombe en bonus! Excusez-moi, je vous... Merde, attendez! Ben, tu n'as décidément rien appris depuis la dernière fois! Évidemment, comment ça se fait que t'es toujours là? Ben oui, je sais, évidemment, t'as doublé! Ça, c'est certain, t'as doublé! Exactement comme ton petit camarade, ton bête camarade assis à côté de toi qui a toujours un rire de chèvre. Ouais, ça ne m'étonne pas. J'ai toujours su hein, que je ne dirais jamais rien de deux zouaves pareils, de zigotons et tifétons du lupo. Oui, écoutez, mon madame Brigitte. Bon. Par contre, venant de toi, mon petit Thierry, le redoublement, ça me déçoit. Je suis déçu, j'avais fondé tellement d'espoir en toi. Mais évidemment, quand on passe plus de temps à chanter du Eddie Mitchell dans des bars pleins d'urine, plutôt que d'étudier, faut pas s'étonner que ça arrive. Mon cher ami, pour ta punition, tu commenteras les 10 prochains matchs d'Anderlecht en gothique. Oui, mon petit Jérôme. Ne l'obligez pas à aller commenter tous les matchs d'Anderlecht quand même. Bah, je suis désolé, mais il aime les morts dans les cimetières, ça ne change pas grand-chose d'aller à Anderlecht, hein. Bon, madame... Bah, elle a vraiment un drôle de goût à ma vapoteuse. Oui, 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 madame, mon petit Jérôme. Vous êtes donc à la retraite depuis un an. Oh, la retraite, oh non, la retraite, j'adorerais être à la retraite, je pensais que j'étais à la retraite. Ils m'ont sorti de ma retraite. Je suis retourné vers les chemins de l'école, à mon âge. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Vous avez repris les cours. Mais la main, tu n'as pas mis... Non, ça suffit. Non, c'en est trop. Au coin, mon gaillard. Allez, au coin. Au coin, mais je ne vais pas aller mais au... Mais enfin, c'est insupportable. Mais qu'est-ce qui m'a mis des garnements pareils? On dirait des sacripants au QI de prof de gym. Au coin. Non, je ne peux pas aller au coin. Bon, allez, non, ça suffit. Non, mais écoutez, arrêtez. Au grand monde, les grands Club Med. Allez, tu viens, mon garnement. Non, quand si vous voulez, mais attendez, attendez. Je vais te décoller ton oreille. Non, mais attendez. Voilà. Mais là, voilà, tu ne bouges pas. Mince! Flûte! Ah, on est quand même bien mieux sans ce sacripant. Ça va, David? Oui, ça va, la Brigitte. Toujours avec cet accoutrement de vieille tenancière de Moulin Rouge. Oui. C'est pas comme ça que tu vas trouver un boulon digne de ce nom, hein, ça, crois-moi. Dites, hein, madame Brigitte... Mais est-ce que je t'ai dit que tu pouvais parler? Non, je ne te l'ai pas dit! Non. Donc, tu mets ta tête dans le coin et tu fermes ton moulin à sottise. Mais je voulais vous parler des nouveaux... Ton journal de classe. Non, mais je n'ai tu pas... Tu vas te rasseoir et tu me donnes ton journal de classe. Rassieds-toi. Oui, mais je n'ai pas de journal de classe. Ah, il n'a pas de journal de classe. Écoute, je vais écrire un mot à tes parents, hein. Et je vais l'écrire dans ton journal de classe. Bon, écoutez, madame Brigitte, concernant les nouveautés de la rentrée, oui. Eh bien, est-ce qu'on peut en parler des nouveautés? Non, on ne parle de rien du tout, c'est moi qui décide de quoi on parle, mon garnement. Ça va, mais j'abandonne. De quoi voulez-vous parler alors? Des nouveautés pour la rentrée. Bon, alors. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, j'ai notamment lu que l'on envisageait de rendre obligatoires les réunions avec les parents. Ah là là, alors là, c'est le pompon, hein. Si tout ça est rendu obligatoire, tu sais ce qui va arriver, Ben, vous aurez encore plus de travail. Non, je vais devoir rentrer encore plus de certificats maladie. Mais vous voulez brosser les réunions de parents? Bon, tu as des enfants, mon petit Jérôme? Tu as déjà assisté à une réunion de parents? Oui. Eh ben, arrêtez de faire des gosses, ils nous font chier. Mais écoutez... Et chaque fois qu'on reproche à un parent que son enfant est trop turbulent, qu'il bouge trop sur sa chaise, eh ben, chaque fois qu'on fait ça, il nous dit « Ah ben oui, mais c'est normal, il est HP. Il est HP, qu'est-ce que j'en ai à foutre de connaître la marque de son imprimante ?» Mais attendez... L'HP. C'est pas ça. Mais bon... C'est moi qui vais finir en HP, si ça continue. Mais HP, c'est une abréviation pour un comportement. Ah oui, voilà, ça va, je vois. Ça veut dire horriblement pénible, oui, d'accord.
ou peut-être dans leur cas, hideusement puants. Alors là, oui, là, ils sont tous HP. Oui. Ils sont surtout à chier. Ah. Et alors, autre nouveauté, la participation obligatoire aux Fancy Fair et aux journées portes ouvertes. Alors là, ils veulent vraiment, ils veulent notre mort. Je ne vois rien d'autre. Ils veulent qu'on crève tous, c'est ça? C'est ça qu'ils veulent, qu'on crève tous? Ben si c'est ça, c'est bien simple, là, je vais prendre une soupe à la cantine et c'est réglé, hein. Bon. Est-ce que tu as déjà passé 5 jours dans une fancy fair avec la petite Jessica qui tchoule comme un bat-laine parce que les ailes de son papillon ne tiennent pas bien dans son dos? Ou alors le petit Brampton qui se fait tout le temps pipi dessus parce que monsieur peut pas s'empêcher de toutes les 10 minutes réclamer un Fanta? Y'a plus de Fanta au réfectoire, y'a que du parasol orange, putain. Bon, écoutez... Ah, c'est immonde, hein, ça. Oui, les voyages scolaires ne sont plus obligatoires, Madame Rigide. Oui, mais non, mais ça, ce n'était pas un problème. Non, l'année dernière, j'ai emmené toute ma classe de 3e à Amsterdam. Ben, c'était très chouette. Ah. Des amours. Ah, Amsterdam, en plus. Hein, ah oui, mais non, très... Oui, mon seul souvenir, c'est qu'à un moment donné, ils ont voulu faire goûter un de leurs cakes. Pas fameux, le cake, entre parenthèses. Rien à voir avec mes 4 quarts, hein. Oui. On aurait dû mélanger les épices et taboulés ratés. Oui. Enfin, je me suis réveillé dans le Thalys 3 jours plus tard à la gare du Midi. Bon, alors, le pacte d'excellence... Ah, c'est tellement vrai. Ah, oui. Silence, silence. Bon, le pacte d'excellence prévoit l'enseignement au numérique dès la primaire. Encore une riche idée. Hein. Ils ont cru bon nous affubler d'ordinateurs dernier cri. Attends, je dois raccorder la machine. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un Commodore 64. Enfin, mais c'est vieux ça, Madame Rigide. Bah, c'est vieux, c'est vieux. Moi, je ne connais déjà pas les 63 premiers. Maintenant, parce que je mets... Alors, c'est... voilà, je vois bien que ça bouge de gauche à droite, mais si je veux monter, je fais comment ? Bah, vous montez. Oh, moi, je n'y comprends rien en informatique. En plus, ils m'ont dit qu'il y avait un problème avec le serveur. Bah, tu m'étonnes si pour résoudre des problèmes informatiques, tu prends des gens dans l'oreca. Un serveur, non, ça n'ira pas plus loin. Non, je vais leur envoyer un email. Non, mais là, non, il faut ouvrir la fenêtre, là. Mais non, pourquoi ouvrir? Non, laisse la fenêtre fermée. Mais non. C'est toi qui vas payer le chauffage. Est-ce que c'est toi qui vas payer le chauffage? Non, ce n'est pas toi qui vas payer le chauffage. Donc, laisse la fenêtre fermée. D'accord. Hein. Il fait froid. Hein. Ah, je sais pourquoi tu veux ouvrir la fenêtre. Parce que dehors, il fait comme toi, il fait un froid de connard. Je parlais de Windows. Windows. Oh, monsieur fait le malin parce qu'il baraque Windows 3 mois en néerlandais. Ça tombe mal. Je n'ai pas de néerlandais cette année. Ah, ben si, je dois donner 2 heures. Bon, on y va. Kenyan de Mosselman, de Mosselman, de Mosselmania. Et Kenyan de Mosselman, de Mosselman. Tu veux bien chanter avec tes petits camarades? Ah non, moi je ne veux pas chanter. Tu chantes ou je te l'enfonce dans ton scrotum? Kenyan de Mosselman, et avec un sourire! Mosselman, Kenyan de Mosselman, avec un sourire! D'accord, bon, d'accord. Oh, moi, l'informatique, je ne maîtrise plus rien, non, franchement. Parce que, vous savez, Madame Rigide, les programmes ont beaucoup changé en 50 ans, hein. Oh, les programmes ont beaucoup changé, les programmes ont beaucoup changé. Hé, hey, 10 moins 4, ça fait toujours 6, hein, ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est les notes. Tu peux plus leur mettre un 0 quand ils ratent tout, s'ils ont essayé. Bien essayé, t'as tout raté, t'as 9 sur 10, tu trouves ça bien? Bon, ah ben voilà, c'est fait. Il n'a plus qu'à envoyer l'email. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites? J'envoie l'email. Mais non, mais il faut appuyer sur envoyer et c'est tout. Trop tard, l'enveloppe est déjà fermée, je la posterai demain. Bon, mais Madame Rigide, bon, alors, vous étiez retraitée, vous avez repris le collier, mais pourquoi? Parce qu'une force indescriptible m'a poussée à revenir. Ah. L'amour des élèves? Non, le calcul de ma pension. je me suis aperçu qu'ils m'avaient décompté, les petits saligots, tous mes jours de maladie, je vais devoir les represter. Ah, tout. Et vous devez represter combien de jours? 12 ans. Oh. Oh, moi, je crois que je ne tiendrai jamais jusqu'à mon prochain burn-out, c'est prévu mercredi. Je vais me mettre en maladie, Mais vous avez combien d'heures de cours, là? J'ai 6 heures. Ah ben ça va, 6 heures. Ah oui, non mais 6 heures, plus 12 heures pour les préparer, 18 heures de correction, des heures et des heures à faire la garderie, l'étude, les retenues, les réunions parents, les fancy fairs, je travaille 170 heures sur 168. On n'est même pas payé plus. Oui. Vous nous disiez que le métier était si beau. Moi, je ne comprends pas ça. Ah, mais ça, c'est vrai que c'est un beau métier. Il n'y a pas de problème. Il y a juste un défaut minime. Lequel? Ben, les élèves. Sans les élèves, le métier serait parfait, hein. Oui, non, mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on a une idée de me foutre tous ces élèves dans ma classe? Tu sais, parce qu'ils m'ont fait au premier cours. Non. Ils ont pris une photo en dessous de ma jupe.
Et ils l'ont diffusé sur les réseaux sociaux? Pire, ils l'ont utilisé pour illustrer leur exposé de science sur les champignons. Ils avaient tous les modèles. Ah oui, mais non. Riez, c'est pas vos champignons, hein, c'est les miens. Oui, mais alors j'ai été me plaindre. Hein, j'ai été voir le directeur, monsieur Toumou, le directeur, oui. En fait, c'est mon mari, mais j'ai préféré garder mon nom de jeune fille pour ne pas éveiller les soupçons. Enfin, bien que j'aurais préféré qu'il s'appelle Madame Rigide, hein, parce que monsieur Toumou, jamais entendu quelqu'un qui porte aussi bien son nom. Oui, d'accord. Tu sais qu'il m'a toujours pas touché depuis la dernière fois. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Oui, bah vous passez. Elle a vraiment un goût de craie, hein. Je ne comprends pas, c'est dégueulasse. Bon, bah, je sens qu'on va en rester là, moi, hein, parce que... Oui, ben, il vaut mieux, parce qu'avec toutes leurs nouveautés, tu sais, leur dernière nouveauté en date? Non. Nous faire utiliser des craies électroniques, monsieur. Des craies électroniques? Tout à fait, des craies électroniques, monsieur. Hein, c'est plus moderne, hein. Les autres, ce n'est pas là, mais c'est une autre époque, un peu. Et elles vont ressembler à quoi, ces craies électroniques? On a dit que ça ressemble à des vapoteuses. Je n'en peux plus, je non, non, mais on vous raconte pas quelle heure, Madame Brigitte. Je pars en burn-out.